Bonjour à tous, bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 14-2 février 2023 et nous sommes précisément à Gbenyedi devant la paroisse Maria Auxiliadora pour ce premier numéro de micro-trottoir Bari Kassira. Et vous savez quel est le thème? Le 14. Saint-Valentin par-ci, Saint-Valentin par-là, on va leur poser la question, ils vont nous dire c'est quoi cette fête. On y va. On y va. Juste ici, c'est presque la fin de la messe. On va attraper quelques passants. Et là, on est juste devant la paroisse. La messe est presque à son terme. On va attraper quelques passants qu'on va interroger sur le thème de la Sainte-Valentin. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Moi c'est Marien, et vous? Moi c'est Jean. D'accord. Aujourd'hui nous sommes là pour notre premier numéro de micro-trottoir et le thème justement c'est le 14 février, dans deux jours. On entend parler de Saint-Valentin par-ci, Saint-Valentin par-là. On voudrait savoir votre avis sur cette fête-là. Ah, ok, pas de souci. Et comme le dit souvent, la Saint-Valentin c'est la fête des amoureux. Bon, à vrai dire, moi personnellement, moi cette fête ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas amoureux? Oui, je suis amoureux, je suis en couple, mais je ne suis pas encore marié. D'accord. Mais je ne sais pas, cette fête ne m'intéresse pas, puisque c'est une fête des amoureux, ceux qui sont mariés légalement, à l'état civil. Donc comme moi, je n'ai pas encore fait ce genre de choses, donc après dire, même à une minute de ma vie, je n'ai jamais pensé à cette fête. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez entendu l'avis de notre correspondant. Saint-Valentin, ce n'est pas pour lui, parce que selon lui, Saint-Valentin, c'est la fête de ceux qui sont déjà mariés à l'état civil ou devant l'église. Merci beaucoup. Oui, merci. Et bonne journée à vous. Merci. Okay. Bonjour. Bonjour. Ok, moi, c'est Marin de l'ONG Bari Kassira. Et vous? Et moi, c'est Simone. Et vous? Ok. Et le thème de ce micro-trottoir, c'est la Saint-Valentin. Donc, on voudrait savoir qu'est-ce que vous pensez de la Saint-Valentin. Est-ce que les gens vivent ça bien? Est-ce que les gens ont travesti la Saint-Valentin, etc.? Quel est votre avis là-dessus? Ah, salut tout le monde. Et concernant Saint-Valentin, moi aussi, je ne connais rien de spécial. L'Église dit que c'est un prêtre qui a fait un sacrifice concernant l'amour pour que les couples qui s'aiment puissent se marier. À cause de cet sacrifice, on l'avait tué. Et comme le prêtre s'appelle Valentin, c'est pourquoi on a dédié 14 février comme fête de Saint-Valentin. Mais concernant la jeunesse, ils pensent que c'est l'amour. D'autres perdent leur virginité à cause de cette fête-là. Mais ce que je vais dire, je ne vais pas beaucoup parler pour tirer conclusion. Je vais dire seulement que pour l'amour, Saint-Valentin, ça englobe beaucoup de choses. Tu peux faire un signe de geste à ta maman parce qu'il y a l'amour là-bas. À ton enfant, il y a l'amour là-bas. À ton professeur, il y a l'amour là-bas. Donc Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Mais l'amour de la jeunesse, c'est la fête. Ils perdent leur virginité. L'amour à côté de la sexualité. Moi, en tant que parent, je suis contre. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à maman pour son avis. Vous avez bien compris. Les gens ont traversé la Saint-Valentin. Les gens ont pris ça pour faire autre chose. Pour elle, ça doit être une occasion de célébrer l'amour véritable. Merci beaucoup, maman. Bonne journée à vous. À vous aussi. Ok.